veuille. Il compte s'exprimer comme il l'a fait maintenant depuis des années. Donc il s'expliquera de manière détaillée. Et puis je pense qu'il souhaitera s'adresser aux victimes si le président l'y autorise. Connaissance. Donc je pense qu'il y a également une certaine impatience de pouvoir voilà, leur faire part de ces remords. L'attaque du Thalys, c'est la deuxième tuerie de masse qui a eu lieu en 2015 en France, sauf que, comme la première qui était celle de Villejuif, elle n'a pas réussi. Si elle n'a pas réussi, c'est grâce au courage, à la détermination, à la volonté de 5 citoyens, des Français, des Américains, qui ont été attentifs à ce qui se passait et qui ont pris leurs responsabilités et qui sont allés, parfois au péril de leur intégrité physique, maîtriser le terroriste. The trial that starts today is one of the most terrifying Islamist terror attack in France in 2015. This terror attack could have killed up to 300 people based on the number of ammunition that was found on the terrorist and in his bag, and only the very brave intervention of 5 people, including those 3 brave American citizens, could avoid that slaughter. So they all go to court and claim that they have changed, it's different, they would never do it again and blah blah blah. And statistics show that in, let's say, roughly 95% of the case, it's not true. So there's no reason to believe that this time it is true.